Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, donc je vais vous apprendre à faire donc un demi-cœur, enfin un cœur très facilement. Donc si vous n'avez pas très bien les faire, simplement il vous faudra donc d'une feuille. Donc c'est pas simplement un dessin, on va découper également. Donc une feuille et une paire de ciseaux, c'est tout ce qu'il vous faudra, même pas de crayon. Hein. Voilà. Voilà, j'aime bien cette musique. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Alors, vous allez prendre votre feuille et la plier en deux. Voilà, vous la pliez en deux. Donc ensuite, vous allez donc prendre là. Et venir donc faire le haut du cœur, donc c'est-à-dire de tourner comme ça. Je pense que vous devez voir par l'image parce que je sais pas très bien m'expliquer. Voilà, vous allez venir ensuite faire la pointe. Donc en fait, vous devez faire un demi-cœur. Voilà ce que ça doit vous donner. Puis donc quand vous l'ouvrez, ça fait un cœur. Voilà, c'est très simple. Hein. Voilà. Puis donc vous avez votre feuille qui fait ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Même si c'était rien du tout, hein, voilà, c'était juste comme ça. Parce que je savais pas quoi faire. Donnez-moi des idées parce que voilà, j'ai plus d'idées en ce moment. Voilà, je sais plus quoi faire. Même pour la fête des pères, j'aimerais bien faire des tutos. J'aimerais bien faire une série fête des pères. Bah, même si j'avais pas fait de série fête des mères, mais voilà, j'arrive pas. Donc voilà, j'essaye de regarder des idées sur YouTube. Surtout donnez-moi des idées pour la fête des pères. Même si vous en avez trouvé mais que c'est pas pour la fête des pères, c'est pas grave. Voilà, je voudrais quand même au moins quelques idées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout à vous abonner. Ciao ciao pour une prochaine vidéo.